Effectivement, certainement des gilets jaunes qui se sont laissés entraîner. Mais tous les services de sécurité l'ont dit. En début de journée, c'était l'extrême droite. Dans la journée, c'était l'extrême gauche. Et en fin de journée, l'extrême droite est revenue. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas. Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse en tout cas qui est. Structurée de déstabilisation, effectivement, issue des rangs des frères musulmans. Et que tu mens, et tu sais que tu mens.